Bonjour, bienvenue sur Scooter et Méca Boîte. Donc aujourd'hui, nous revoilà sur le moteur de la DT. Donc, lors de la dernière vidéo, on avait monté le 85 Top Gris avec la culasse, le squish. J'avais fait un adaptateur pour la bougie. Enfin, un adaptateur, j'avais fait en fait un. J'ai mis un écrou parce que je pouvais pas remettre la sonde d'origine. Là, j'ai fait un contrôle d'étanchéité moteur. Ça, je ne l'ai pas filmé parce que franchement, ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi pour le faire. Car ça fuyait à l'admission. Malgré que j'aie remis les clapets top perf. Alors, ça fuyait à la pipe d'admission, entre la pipe et le clapet, et entre le clapet et la cale. Donc, l'histoire d'être tranquille, il a fallu que je mette de la pâte à joint partout. Le problème, c'est que j'ai eu plusieurs filetages qui ont foiré. Dans le coup, j'ai foutu des hélicoïs partout. J'avais déjà eu un garagiste qui m'avait remis un hélicoï sur un carter. Et moi, j'avais le filetage où on met la butée là, pour la gaine d'embrayage qui était foirée. Et j'avais le même sur le côté. Enfin, j'en avais un autre aussi carter, sur le carter gauche, donc en haut, qui était foiré. Dans le coup, j'ai refait ces deux filetages là. L'autre, il n'était pas foiré, mais je l'ai quand même posé un hélicoïde dessus, comme ça, moi, je suis sûr d'être tranquille, vu que les filetages hélicoïdes sont plus solides que les filetages d'origine. Donc là, je vais vous montrer avec le mano pour vous montrer que ça ne fuit plus. Donc, je vais pas zoomer trop parce qu'à chaque fois que je zoome, on perd en qualité de vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rapprocher un peu le trépied, on va baisser un peu la caméra. Peut-être même reculer un petit peu plus là, parce que là, je peux zoomer un peu, mais en fait, je peux pas zoomer trop non plus. Là, ça devrait être bon. Donc, j'ai mis mon mano. Donc là, j'ai mis 700 grammes, donc en dessous d'un kilo. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Là, j'ai compté 20. Enfin, en fait, on va dire c'est je compte en secondes, mais bon, c'est peut-être pas précis non plus. C'est pour ça que j'ai mis 20. Il faut que le moteur reste au moins étanche 10 secondes. Et là, je suis entre 600 et 700 grammes. Donc, il a perdu un petit peu, mais la dernière fois, je pouvais même pas le remplir en air. La dernière fois, dès qu'on mettait de l'air dedans, ça ressortait direct. Donc, voilà. Donc le moteur est un peu plus étanche, donc ma fuite que j'avais la dernière fois, ça venait bien du pignon du vilebrequin, donc ça je l'ai monté hors caméra parce que je suis obligé de le mettre pour pouvoir monter le, tout simplement pour pouvoir mettre le moteur en pression, parce que si je mets pas le pignon, la cale qui est en fer qui est dedans, elle va sortir. Là on va remonter la transmission. Je reviens sur la dernière vidéo, enfin une des premières vidéos que j'ai fait sur ce moteur-là. Je sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais serré cet écrou-là, en fait, ça avait normalement c'est 60 Nm et j'avais pas pu mettre les 60 parce que je pense qu'il était en train de foirer. Enfin, je pensais qu'il était en train de foirer. Et je confirme, l'écrou était bien foiré parce que j'en ai mis un 9, je l'ai serré à 60, ça n'a pas bougé. Donc ici, vous mettez 60 Nm, enfin 60, 61, on n'est pas à Nm non plus de près. Et là, vous mettez 75, ici. Par contre, cet écrou-là, au bout de 3 démontages, il faut le changer. Parce qu'en fait, c'est un écrou oblong, c'est un écrou anti-desserrant.
Et à force de le visser, de le desserrer, de le visser, de le desserrer, en fait, il fait plus sa fonction anti-bloquant. Donc en fait, quand je fais le test d'étanchéité, ça fuit pas. En fait, quand je mets 700 grammes et ça descend un peu, en fait, ça fuit. C'est pas le moteur qui fuit. C'est tout simplement mon manomètre, hein, qui fuit. Parce que quand je mets 500 grammes, quand je mets moins d'un kilo, donc 0,5 en fait, kilo, je perds pas d'air. Le mano descend pas. C'est tout simplement que j'ai un manomètre déjà qui est pas de bonne qualité à la base. Et qui en plus commence à fuir, on va dire. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais remis des. J'avais mis un joint ici parce qu'il fuyait ici, j'ai remis un joint là, il fuyait là. Mais en fait, il fuit au niveau de la gâchette. Et ça, je peux pas mettre de joint. Donc le moteur est étanche, hein, parce que j'ai mis 500, je l'ai laissé peut-être une minute et il n'a pas fui. Donc c'est bon, hein. Là, je vais enlever le bouchon de l'admission et je vais reposer le tambour d'embrayage, l'embrayage. Je vais la resserrer au couple aussi. Je vais remettre le joint du pot. Enfin, je vais mettre le joint du pot. En fait, je ne l'ai pas mis lors de la dernière vidéo parce qu'en fait, il fallait que je mette le bouchon là, dans l'échappement. Pour faire étanchéité moteur et tournoi racing dit lors de des vidéos quand enfin a dit lors d'une de ces vidéos qu'il fallait le mieux c'est d'enlever le joint pour pouvoir faire mettre le bouchon. Alors je suis désolé hein, j'ai un peu de mal à m'exprimer parce que franchement je suis pas en forme, je suis fatigué donc bon vous en avez rien à foutre je pense mais bon. Vu que ça fait déjà plusieurs vidéos où j'ai un peu de mal à m'exprimer, il faut comprendre que je peux être fatigué par moments. Donc je l'ai graissé un peu pour pouvoir le rentrer sans l'abîmer. Voilà. Je vais enlever la bougie. Parce que il va falloir que je remette il va falloir que je mette le bloc piston. Avec la pression, ça l'a bloqué. Je vais remonter la cam de l'embrayage, donc ça se trouve c'est pas compliqué à mettre hein. Vous avez un ressort de rappel, donc le ressort de rappel qui est là, vous avez un crochet en arrondi et un crochet qui est beaucoup plus gros. L'arrondi il vient côté cam, voilà comme ça. Vous avez une rondelle, alors moi c'est pas une neuve hein, c'est une rondelle qui est déjà servie, qui a fait pas mal de kilomètres. Et la rondelle, en fait, à force de la mettre et tout ça, il y a un côté qui devient bombé. Le côté bombé, vous allez le mettre côté joint spi. Donc comme ça. Le côté qui vient là, ce côté-là, il vient tout simplement se prendre sur le carter dans le moteur. Voilà, ça vient comme ça, en fait. Ensuite, l'autre côté. On va remonter. L'embrayage, donc je vais remettre le bloc piston. Voilà. Je vais essayer de zoomer un peu quand même. Bon, je vais essayer de vous ravancer. Alors plutôt pas trop mal là. Enfin, je dézoome un peu parce que ce caméscope là franchement j'en ai marre parce que dès qu'on zoome un peu moi sur l'écran du caméscope je vois pas que enfin je vois que la qualité est bonne mais au final au moment de faire le montage de la vidéo je m'aperçois que les vidéos sont floues quoi. Donc j'en suis franchement désolé mais pour le moment j'ai que ça pour faire les vidéos donc
Donc, l'embrayage. On va remonter le tambour. Vous avez une rondelle dentelée. Côté, il y a un côté bombé, un côté creusé. Le côté bombé, vous le mettez côté roulement. Comme ça. Vous avez une rondelle lisse aussi. Bon, elle n'a pas de sens celle-là. Vous avez une rondelle lisse, ben, faut la mettre sur le côté dentelé. Voilà. Ensuite, la noix d'embrayage. Le tambour d'embrayage, pardon. Pas la noix, c'est pas la noix celle-là. Ensuite, il y a une espèce d'entretoise. Comme ça. Qui vient ici. La noix d'embrayage. Qui vient ici. Il y a une rondelle frein à mettre. Que je suis en train de chercher parce que j'en ai une neuve. Ah, alors, la rondelle qui vient là, il faut impérativement la changer hein, quand vous démontez l'écrou. Hein. Cherchez pas à la déplier, enlever, remonter et replier. Même si c'est la première fois que vous la démontez, vaut mieux la changer. Hein. Parce que moi j'ai déjà vu, il y a un bail, la personne avait déplié la rondelle, elle avait démonté son embrayage, je sais plus pourquoi faire. Mais en fait, elle avait démonté la noix, peut-être pour changer la noix, je crois, un truc comme ça. Et elle a remis la rondelle d'origine, elle l'a repliée. Et quelques temps après, bah, il m'a appelé, il m'a dit bah, « Je comprends pas, ma boîte, elle est cassée. » Il me fait « J'ai la troisième qui passe plus. » Enfin, la première qui passe plus, j'ai les vitesses qui passent plus. Et quand il m'a ramené le moteur et que je l'ai démonté, bah, je lui ai dit « Oui, c'est normal que ça passe plus. Hein. T'as les dents de la boîte qui sont cassées. » C'est un peu normal. Parce qu'en fait, le morceau, bah, vu qu'il l'a déplié, en fait, à la base, elle n'est pas pliée. Ensuite, on la plie contre l'écrou. Le gars l'a déplié et ensuite il l'a replié, ce qui fait qu'elle a fait un pliage, un dépliage, un pliage, ce qui fait que ça l'a fragilisé. Et le morceau a cassé. Alors je ne sais pas par où qu'il est passé, parce que avec les disques et le plateau presseur, normalement il ne doit pas arriver à rentrer, mais je pense qu'il a dû rentrer par un des trous de dedans là, pour arriver dans la boîte. Donc c'est un peu con de péter une boîte juste pour ça quoi. Alors là-dessus, le couple c'est combien? J'ai pas tous les couples en tête. Cloche d'embrayage, 75 Nm. Ah bah, je suis dessus, c'est génial. Alors pour le serrage, je mets mon bloc piston et j'utilise cette clé là. Au niveau de l'embrayage, c'est la bonne douille. Voilà, une fois que c'est serré, alors par contre, il se peut que la rondelle, le prépliage, quoi, tombe pas tout à fait en face de l'écrou, mais ça, c'est pas vraiment trop méchant. À la pince, déjà je le rabats un peu.
quand même essayer de le mettre au plus droit. Voilà, une fois que ça c'est fait, je prends un châsse. Un chasse-goupille, un marteau. Je tape dessus. En priorité, surtout sur les côtés. Et ensuite, je tape un peu sur le dessus. Comme ça, je suis sûr qu'il est comprimé contre l'écrou. Là, on va remettre... système de commande d'embrayage. Donc vous avez cet axe là. Alors moi maintenant j'ai pris l'habitude, c'est de mettre de l'huile dedans. Vous mettez l'axe, un petit peu d'huile, on met la bille. Encore un petit peu d'huile et on met le poussoir. Alors, ça va dégueuler l'huile comme vous allez le mettre. Ensuite, les disques. Moi, vu que j'avais changé l'embrayage il y a quelques temps, je remets l'embrayage qu'il y avait dessus. Donc il faut essayer de ne pas bouger les disques, hein. Quand vous démontez un embrayage, vous essayez de faire en sorte que ça reste au niveau comme c'était monté, quoi. Donc vous mettez un disque garni, un lisse et ainsi de suite. Il faut toujours que un garni soit... faut toujours qu'un disque garni soit séparé par un... Deux disques garnis doivent être séparés par un disque lisse. Ça c'est pareil, j'ai déjà vu. Hein. Alors pas sur une bécane d'un copain, hein. C'était pendant un stage en fait. Un stage en mécanique et avec mon responsable de stage, il y a un jeune qui nous a ramené une bécane. Il disait, ouais, je comprends pas, je vous ai acheté un embrayage, vous m'avez arnaqué, l'embrayage il marche pas. Ouais, sauf que le problème qui se passe, c'est que l'embrayage il marchait, c'est juste que le mec, en fait, il a mis tous les disques garnis au fond, puis tous les disques lisses sur la fin. Ah, c'est sûr que ça risque pas de marcher. Ah, c'est sûr et certain. Donc je remonte ça. Et je vais en profiter que le carter d'embrayage il est démonté. Il y a un truc qu'il faut que je contrôle dessus, c'est le réglage de ça. Parce qu'en fait, avant, j'avais pour la cam d'embrayage, c'est la maladie AM6, c'est qu'elles ont tendance à sortir du moteur. Donc, j'avais fabriqué une pâte il y a quelques temps, il y a peut-être 2 ans, pour caler la pièce. Et en fait, je me suis aperçu après qu'en fait, il faisait la cale exprès pour la AM6. Donc, je l'ai acheté. C'est une Calmost, mais le problème c'est que vu qu'elle est mieux faite que la mienne en fait, hein, tout simplement, bah maintenant j'ai la cam d'embrayage qui part trop vers le moteur, et ce qui fait que j'ai l'embrayage qui a tendance à patiner un petit peu quand je la mets en route, surtout. Quand je kick, hein, avec la cylindrée que j'avais avant, là, avec le 70, ça avait tendance à faire patiner l'embrayage. Alors là avec un 85, c'est même pas la peine. Donc je vais remonter le carter d'allumage, le cache-pignon, la cale, parce que c'est pris dessus, donc il me faut absolument que je monte comme si c'était monté sur le moteur. Et puis je vais faire le réglage de ce truc-là. Parce qu'à mon avis, je pense que l'embrayage, il est beaucoup trop... Les disques ne doivent pas être comprimés à fond, je pense. J'en suis à peu près sûr et certain de ça. Alors j'en profite tant que c'est démonté pour refaire le réglage de ce truc-là, parce que... Quitte à ce qu'il faut que je change mon cap d'embrayage, c'est pas méchant, mais je préfère changer le cap d'embrayage que de changer les disques en très peu de temps. Surtout que là, c'est quand même des disques qui ont pas beaucoup roulé, hein. Ça a été fait, l'embrayage a été changé il y a peut-être 5000 bornes, hein, donc ça ferait un peu chier. Sur l'autre, j'y ai mis quand même pas loin de 20 000 dans la tronche.
Et il commençait à franchement plus trop à mordre. Celle-là, en fait, 20 000, normalement, j'aurais pu rouler. Normalement, il n'aurait pas dû être mort. En fait, il s'est bouffé au bout de 20 000 km parce que j'ai eu un problème d'embrayage. J'ai eu en fait le système qui revenait pas. La cam là, restait coincée. Et jamais su pourquoi en plus. Donc là, je viens de monter le système. Au final, non, hein, ça vient pas de ça. Regardez, j'ai un peu de jeu quand même. J'ai même pas mal de jeux, mais je préfère le laisser comme ça parce que quand je vais mettre mon câble, en fait, il va faire comme ça. Là, il n'est pas enclenché, en fait. Là, il vient taper dans le. Il vient taper ici, là, en fait. Donc, en fait, c'est pas le réglage de ça qui est pas bon. C'est j'ai un problème sur le câble. Il est là le problème. Par contre, je vais vous montrer un truc. En fait, je sais pas si on a vu dans les vidéos, mais en fait j'ai changé le carter là, le carter latéraux qui vient là, parce que le Conti a cassé. J'avais un Conti à lui, il a pété. Le problème c'est que bah ça je l'ai pas payé cher et en fait on en a pour son argent. Hein, parce que quand je l'ai serré la première fois, je l'ai cassé ici. La vis est passée à travers. Donc si vous voulez mettre le même cache que moi. Donc c'est le turn qui est vendu par Scoutfast. Les vis, vous mettez des rondelles entre la vis et le cache. Bon, de la rondelle de 5, mais c'est des rondelles en trou de 5 et c'est pas épais. Hein. C'est pas large. C'est ça la largeur. Forcément, elle est tombée. La largeur, c'est ça. Comme ça évite de casser le carter. Bon, ça se voit à peine, hein. Moi j'essaierai de voir si je peux pas lui remettre un petit coup de colle quand même, mais. De toute façon, je vais le redémonter. Je vais remettre le nouveau joint de carter d'embrayage. Je vais remonter le carter et puis bah ça sera tout pour cette vidéo. Hein, parce qu'après, bah, il n'y a plus rien à faire sur le moteur. Hein. J'aurai l'allumage à remonter, mais là le stator il est sur le. Sur le DT en fait, et puis je vais pas le monter le moteur à cette heure-là, parce que de toute façon, faut que j'attende que la pâte à joint soit sec. Là, on va pas aller lui foutre de faire une tentative de démarrage alors que la pâte à joint, je viens juste de la poser. On peut, mais moi je préfère attendre. Au moins, comme ça, je suis sûr de pas avoir d'emmerde juste derrière. Donc, on va remonter, avant de remonter le carter d'embrayage, je vais remonter le support moteur quand même. Un peu l'axe parce que quand je l'ai enlevé j'en ai un petit peu chié pour l'enlever là-dessus, il n'y a pas vraiment vraiment de couple de serrage. Enfin, il doit y en avoir un à la base, hein. Quand même, mais en fait, je l'ai pas trouvé.
donc bah, vous le serrez. On va pas le bloquer tout de suite parce qu'il faut que j'avance. Je serre un peu celui du bas quand même avant. Alors vous allez voir que la série, franchement, c'est assez galère. Hein. Voilà, sûr c'est bon. Et celui-là c'est bon. On n'oublie pas de rebrancher, c'est le reniflard pour le carter d'huile. Enfin pour l'huile de boîte. Surtout, par contre, il y a un truc que je vais regarder avant. Mais c'est bon. Je vais regarder s'il n'était pas bouché quand même. En fait, c'est la mise à l'air de la boîte, ça. Et il faut pas qu'il soit bouché, ce truc-là. Hop, carter. On va remonter le carter d'embrayage. Donc. Ça, c'est un marteau sur un pied que je viens de me prendre. Ça pique. On remet d'abord le pignon, là. Le pignon qui, en fait, qui déclenche le bah, qui enclenche le moteur. Je vais revenir. Je sais plus si je l'avais dit lors des dernières vidéos. J'ai un doute. Mais j'avais eu un commentaire il y a quelque temps qu'il faut pas. C'est pas possible à forcer sur le kick. C'était sur la vidéo là. Quand j'ai le moteur qui s'est rempli d'huile à cause de la pompe à huile. Ouais, c'est pas possible, t'as pas pu forcer sur ton kick, t'auras cassé le pignon de pompe à huile. Donc, j'avais dit que je ferais la vidéo si j'avais un moteur qui était ouvert. La pompe à huile, c'est ces deux pignons-là. Le kick, il est là. Le kick, il vient là. Le kick, il est là. Voilà. Donc, pour le kick, il est pris sur la boîte de vitesse, en fait. Il est pris sur l'arbre, je crois que c'est l'arbre secondaire. Je dis peut-être une connerie. Hein. Je n'ai pas trop tous les titres, tous les termes en tête. Hein. Mais c'est sur l'arbre de boîte, côté embrayage, qu'il est pris, le kick. Le kick, en fait, il va enclencher le pignon de la boîte. Le pignon de la boîte, il fait tourner l'arbre de, bah, de l'embrayage, enfin, qui tient le tambour. Le tambour enclenche le pignon, là. Vous avez un pignon sur le vilebrequin, donc le plus petit. Et ça enclenche le vilebrequin. On est d'accord? Et donc, si j'avais de l'huile qui était là, automatiquement, il est bloqué. Donc, le vilebrequin est bloqué. Donc, le vilebrequin, s'il est bloqué, il ne peut pas faire tourner le pignon. Parce qu'après, vous avez les pignons de pompe à huile qui sont repris là-dessus. Sur là-dessus. En fait, sur le pignon qui sert à, bah, tout simplement à faire tourner le moteur. Enfin, je me répète. Quand vous enclenchez le kick, qui est là, ça fait tourner l'arbre de boîte qui est pris là. Vu que le embrayage il est pris sur l'arbre de boîte, ça fait tourner le tambour d'embrayage qui fait tourner à son tour le pignon qui est pris sur le vilebrequin. Et le pignon du vilebrequin,
enclenche la pompe à huile en fait. C'est tout se fait en même temps. Mais si mon moteur il est bloqué, alors je vais faire le comparatif avec le bloc piston. En fait, j'avais de l'huile à ce niveau-là, c'est pour ça que le moteur je pouvais pas l'enclencher. Donc ça revient au même que si j'avais un bloc piston. Vous voyez, là ça tourne, c'est normal vu que bah il n'y a pas de pression dès le départ dans le moteur. Mais regardez maintenant quand j'essaye de forcer, vous voyez, le pignon, je force, mais rien tourne. Donc comment est-ce que ça peut casser le pignon de la pompe à huile? C'est pas possible. Si c'est bloqué, ça peut pas vu que le pignon il est bah, en fait le vilebrequin est bloqué. Donc le vilebrequin s'il est bloqué, le pignon peut pas tourner, le pignon va pas tourner tout seul. Vous comprenez? Donc je pense que les personnes qui m'avaient mis les commentaires, ils vont se reconnaître. Au moins, ils vont voir comment ça marche un AM6. Alors je ferai une vidéo, peut-être si j'arrive à me choper un vieux moteur tout pourrable d'AM6, je vous ferai une vidéo sur le fonctionnement. Mais là, je suis voulu revenir là-dessus parce que franchement, ça m'a, je vais être honnête avec vous, ça m'a vraiment, vraiment énervé. Les commentaires qu'il y a eu sur cette vidéo-là, parce que j'en ai eu un il y a... J'avais eu un commentaire, des commentaires par une personne, et j'ai eu une autre personne aussi, pareil, qui a critiqué. Au sujet que je vissais les vis à la visseuse. Mais la personne, elle n'a pas regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est pas possible. Parce que déjà, il m'a dit que j'avais dit pompe à eau au lieu de pompe à huile. Alors non, j'ai parlé de la pompe à huile. Mais bon, c'est vrai que plus loin, j'ai parlé aussi de mon problème avec la pompe à eau, parce qu'on m'avait cassé le carter de pompe à eau. Cette pièce-là, là. Elle a été cassée ici. Ici ou ici, je sais plus. Mais j'en avais une autre. Donc voilà. Alors, je sais, ça va être souvent pour vous, mais bon, faut comprendre que si moi je me fais chier à faire les vidéos et qu'on me critique derrière, au bout d'un moment, ça m'énerve. On croit pas comme ça, mais n'empêche, ça prend du temps, hein. Là, je suis dessus depuis... 16h30, 17h et il est 20h52. Donc le joint du carter d'embrayage. J'ai pris un top perf. Enfin, j'ai pris un joint en fait qui est assez épais. Hein. Les joints super fins, je suis pas trop copain avec. Donc les top perf, on va dire que c'est pas le plus épais que j'ai eu en juin. Les artennes, ils sont quand même un peu plus épais. Alors pour monter le joint, je vais mettre de la graisse ici. De la graisse ici. C'est surtout au niveau où on met les vis. Hein. C'est l'endroit le plus large pour mettre la graisse. Donc ici. Autour d'un des pions de centrage, si on peut dire. Ici, ici, voilà. C'était un peu gourmand ici. Un petit peu autour de l'arrivée d'eau. Voilà. Je vais présenter le joint. Voilà. Bon, bah ça devient arrivé. C'est ça quand on essaye de monter un machin avec le carter couché.
Alors, je peux vous dire que c'est pas très très facile à mettre. Voilà, c'est mon ennemi. Alors, les vis, la très grande, elle vient ici. Forcément, j'ai pas réglé ma visseuse. Ah, c'est bon. Je peux enlever tout. Donc le couple de serrage, c'est comme le carter moteur, hein. Normalement c'est 11, mais bon, moi j'ai pris l'habitude de tout mettre à 12. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas à un newton mètre près. On va quand même regarder si le kick il marche bien. Et voir la compote qu'il y a là-dedans. On va remettre la bougie. On va pas la serrer parce que je vais pas la laisser sur le moteur, parce que sinon quand je vais remonter le moteur sur le châssis, il suffit que j'oublie de l'enlever et je vais casser la bougie. Ça m'est déjà arrivé. Ah, pour un mono segment, ça comprime. Hein. Bon, ben voilà, le moteur est terminé. Il n'y aura plus qu'à le remonter sur le châssis, remonter l'allumage. Avec la clavette qui était fournie avec le pack, parce que j'ai eu une clavette en fait qui permet de décaler un peu l'allumage. Alors le souci, c'est que je sais pas dans quel sens qu'elle se monte, donc il faudra que je fasse le test, hein. Que je fasse l'essai de la mettre en soit de mettre de l'avance, de la mettre comme si je voulais mettre de l'avance, et d'essayer et de faire un essai comme si je voulais retirer de l'avance. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc le 85 est monté, carter d'embrayage est remonté, embrayage est remonté, admission est remonté. Je sais pas si je vais faire une vidéo sur la repose du moteur, parce que ça sera surtout du timelapse, parce que je vais en avoir pour à peu près 1h30-2h à remonter le moteur. Je vais pas vous faire une vidéo d'une heure et demie, 2 heures. Donc je pense qu'il n'y aura pas de suite. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas de suite. Voilà. Ça va être la dernière vidéo. Je vais donc là, c'est la toute dernière vidéo que je fais pour la chaîne, hein, pour le moment. Il n'y aura plus de vidéo pour l'instant, parce que on arrive en hiver, hein, tout simplement.
Comme vous pouvez voir, je suis dans un sous-sol. Donc, j'ai pas de chauffage dedans, donc je vais me geler comme c'est pas permis. Puis c'est surtout qu'actuellement, je n'ai plus rien à faire. Donc, enfin, je vais avoir la révision du Kinko à faire, mais bon, il y a encore des kilomètres à faire avant de le faire la révision. Je vais avoir la 89, il faut que je lui change la culasse, le joint de culasse, parce qu'en fait, j'ai un kit 65 Airsal dessus, mais j'ai une culasse d'origine. Parce qu'en fait, pour les AV7, ils ne faisaient pas ils ne faisaient pas de culasse pour les kits, en fait. Ils faisaient que des culasses d'origine. Ils faisaient pas de culasse en 45 mm ou en 47 mm. Et j'ai cherché quand même un moment et j'ai trouvé, c'est sur RRD Préparation, il n'y a qu'eux qui la font. C'est des culasses d'origine qui réusinent. Donc il n'y a qu'eux qui l'ont. Il faut que je change le joint de culasse parce que la dernière fois, la dernière vidéo que j'ai fait sur la V89, une des dernières du moins, j'avais cassé le joint de culasse en fait sur la 89, le joint de culasse Airsal, parce que la culasse s'était desserrée en fait à l'avant parce que je n'avais pas trouvé le couple de serrage à l'époque où j'avais monté le 65. Là j'avais trouvé le couple de serrage en dernier, donc c'est 1,5 kg, 15 Nm. Et puis bah c'est surtout que bah, là j'ai pas les moyens d'acheter des pièces tout de suite. Hein. Là je viens quand même d'en avoir pour un petit billet pour la DT. Donc il y aura ça à faire. Donc en projet il restera bah, les projets que j'aurai à faire, les vidéos que j'aurai à faire pour la chaîne, il y aura la révision du Kinko. Changement de culasse, joint de culasse et les soufflets de fourche. Sur la V89, il y aura, mon frère, j'y avais acheté un TNT Grido 52 temps qui a été libéré, mais franchement, ça n'avance pas, ça roule qu'à 65, c'est saoulant. Donc, changement de pot, je vais monter le même que j'ai sur le Kinko, donc un Cito Plus, donc un pot homologué, pas un pot compétition, un pot homologué parce que je veux pas que le moteur y serre. Changement du carburateur parce que dessus d'origine il y a un carbu 19 venturisé à 20, je trouve ça énorme pour un moteur d'origine. Donc on va mettre un PHVA 17.5 starter automatique parce que mon frangin ne va pas penser à mettre le starter sinon si je mets un manuel. Donc ça sera les deux trucs prioritaires qui seront faits. Je verrai avec ça si le moteur a gagné de la puissance ou pas. Si je vois que le moteur, le scout, il arrive à monter à 75-80. Il restera comme ça. Si je vois que bah, il dépasse pas les 70, changement dans un premier temps du CDI. On verra s'il faut changer le CDI parce que le CDI peut être bridé, j'en sais strictement rien. Puis il faut que j'arrive à trouver un CDI qui puisse aller dessus. Et si je vois que ça, je trouve pas de CDI ou que j'ai trouvé un CDI mais que ça change rien, changement du cylindre. Donc le cylindre, soit je mets un cylindre de Neos parce que c'est une base de Neos en fait là-dessus, c'est un moteur Minarelli en fait qui est dessus. Enfin les carters sont Minarelli. Donc il n'est pas marqué Minarelli, il y a le logo Minarelli, mais franchement faut le trouver parce que j'ai mis peut-être 2 jours avant de le trouver le logo Minarelli. Donc c'est des carters Minarelli, mais avec un vilebrequin chinois, avec un cylindre chinois. Vous aurez compris. Donc soit je mets un cylindre de Neos, soit je mets un cylindre top perf. Mais je pense que ça va plus se diriger vers le top perf parce que ils sont de meilleure qualité et moins chers. Donc voilà, donc j'arrête de blablater. Donc il n'y aura plus de vidéo pour le moment. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Cars et Mecha. Et également aussi je vous conseille c'est de vous abonner à la chaîne YouTube Tournoi Racing. Qui fait des vidéos pareil sur la mécanique des deux roues, mais plus dirigées vers les compétitions, avec le banc d'essai et tout ça. C'est une très bonne chaîne YouTube, franchement, que je recommande. Il a également un shop. Moi, les outils, là, comme ça, là, cet outil-là, là, je l'ai acheté sur son shop, hein, qui est génial. Je vous mets tous les liens de la chaîne YouTube Cars et Mecha, de la chaîne YouTube Tournoi Racing ainsi que son shop à Tournoi Racing. Je vous mets tous les liens dans la description. Voilà, c'est tout. Vous pouvez vous abonner, liker, partager les vidéos. Et puis bah je vous dis à plus, hein, à une prochaine.